Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va faire une recette spéciale Noël comme promis. Donc pour cela, je vais utiliser mes carnets parties, mon pichu microcook, ma spatule silicone, mais aussi 70 g de cornflex, 60 g de beurre et 200 g de chocolat. Alors, on va commencer par faire fondre les chocolats dans le pichet microcook. Donc, le pichet microcook, c'est un produit que j'affectionne particulièrement, un des premiers produits que j'ai gagné en démarrant sur Tupperware. Donc là, je vais mettre les pavés de chocolat et mon beurre que je coupe en morceaux. Comme ceci. Alors, avez-vous deviné le nom de la recette? Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Hop. Bon, je découpe en dés mes 60 g de beurre. Et je mets tout ça 2 minutes 30 à 600 watts. A tout de suite. Mon chocolat est fondu avec, bien sûr, mon beurre. Donc je mélange, je mélange, je mélange. Ça sent déjà trop bon. Et je viens rajouter mes cornflakes tout simplement, comme ceci. Et je viens mélanger le tout correctement. Alors. Avez-vous trouvé maintenant le titre de la recette? Donc c'est une recette pour Noël et c'est des sapins de Rose des Sables. Donc je vais introduire ça à l'intérieur de mes carnets parties que vous retrouvez en page 11 du catalogue. Ils font partie donc de la gamme des Ultra Pro, donc ils vont au four, au micro-ondes, au congélateur et au frigo, au lave-vaisselle également. Et je vais venir les placer comme ceci dans des verres. Donc c'est des lots de 4. Voilà. Et là, hop. Je vais en faire 6 parce que bon, demain nous sommes que 6. Alors je vais prendre une cuillère et vous faire voir comment je dispose tout ça. A tout de suite. Donc avec ma cuillère à soupe, tout simplement, je vais venir remplir mes cornets comme ceci. Voilà, et ça va être 2 heures au frigo. Après ça, le déminage. Et au moment de servir, avec le tamis Tupperware qui est nouveau au catalogue, page 10, que vous retrouverez, je viendrai mettre un petit peu de sucre dessus. Voilà, voilà les gourmands. J'espère que la recette vous plaira. Merci de partager en masse. Alors moi, c'est Mégane. Je suis dans le 80. Vous pouvez me suivre donc sur ma page Facebook Mégane, tu peux faire voir. Voilà. Et je vous dis bon appétit!